aujourd'hui d'un jour particulier parce que nous sommes en plein Salon du Livre et le Salon du Livre de Paris a ouvert une annexe exceptionnelle ici chez London Immobilier à Versailles. Tous les auteurs ont voulu venir ici, mais en fait j'ai été l'élue du jour pour cette dédicace donc chez London Immobilier à Versailles dans le cadre du Salon du Livre de Paris. Alors pourquoi ce livre? Elle rêve encore. Cupidon, où es-tu? C'est vrai qu'on s'était rencontrés il y a quelques mois et je vous avais annoncé un livre complètement différent. Et finalement, c'est pas celui-là qui est sorti, c'est celui-là. Ah oui, ça arrive. Ça arrive qu'il y ait d'autres inspirations qui arrivent subitement. Ce livre a été écrit assez rapidement à la suite d'un cadeau de mes filles qui ont 50 ans. Et j'ai eu comme mes doigts qui bougeaient dans tous les sens. Et cette envie de raconter plein de choses. Alors peut-être qu'ils pourraient paraître assez privés, mais qu'ils ne le sont pas. Parce que la vie est très à pleine de surprises dans une éducation dite très classique, où j'étais éduquée pour rencontrer un seul homme dans ma vie. Il s'avère que je suis divorcée avec deux enfants et que j'ai estimé très vite que j'avais le droit de construire et de continuer ma vie. Mais Cupidon, que j'appelle Cupicon, pardonnez-moi ce terme, a décidé de m'envoyer des petites rencontres un peu impromptues, imprévues, non souhaité, mais en tout cas que j'ai rencontré. Donc voilà, c'est un partage, mais c'est surtout un partage et un message pour dire l'amour n'est pas un mot, c'est un verbe, et qu'il faut le conjuguer. Le bonheur n'est pas dans ce qu'on attend, il est dans ce qu'on a. Donc effectivement, je n'ai peut-être pas vraiment reconstruit ma vie, mais l'amour je l'ai, avec mes amis comme aujourd'hui, pour cette dédicace. Voilà, donc soyons dans l'amour. Parce que l'amour, c'est vraiment la force de notre terre et on ne le sait pas assez. Voilà, c'est le message.